Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et vous me l'avez demandé, un entraînement bras, donc biceps et triceps. Alors pour tout vous dire, j'ai fait preuve d'un peu d'imagination, donc pour les biceps on aura besoin d'une serviette et pour les triceps de deux chaises. Bien évidemment il y aura d'autres exercices qui solliciteront les triceps sans avoir besoin des deux chaises, mais c'est tout ce qu'on aura besoin comme matériel pour aujourd'hui. Donc comme d'habitude, on va partir sur un entraînement de 10 minutes, on va faire 40 secondes d'effort et 10 secondes de récupération. On aura 6 exercices et on va faire 2 tours. Allez, c'est parti, on y va. Je prends mon portable, donc j'ai mis mon écouteur parce qu'il y en a qui m'ont dit la dernière fois sur les entraînements, on a le bruit du minuteur et c'est vrai que ça dérange un petit peu. Donc au moins, j'ai le minuteur dans les oreilles, comme ça je sais où on en est. Et vous, comme ça, au moins vous êtes tranquille. Allez, on est parti et on va commencer par des pompes, donc en diamant. Allez, on est parti. On inspire. Et on souffle en contractant les triceps à la fin. On inspire et on souffle. Si c'est trop dur, vous pouvez vous mettre sur les genoux. Ça, c'est vous qui voyez. J'inspire et je souffle. Très bien. Allez, on a fait 20 secondes. On est bien gainé, on serre les fesses. Ouf. 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 Ok, on vient se mettre sur le côté et on va attraper la jambe comme ceci. On met de la tension dans la main et on va ramener le bras vers nous. Toujours en regardant de la tension pour vraiment solliciter notre biceps. Allez, allez. Je ramène la jambe et là je pousse ma jambe vers l'avant. C'est ça. Allez. Et je ramène. C'est ça. Et je ramène. Super. Ok. Allez, encore. Ça peut paraître un peu compliqué à comprendre au début, mais vous allez voir, une fois que vous l'avez bien, ça sollicite vraiment à fond nos biceps. Essayez d'abaisser l'épaule pour pas avoir trop l'épaule qui passe devant. Je sais que c'est dur, mais ok. On change. Donc la jambe ici étendue. J'attrape là. Je fixe mon épaule. Et on est parti. On ramène. Et je tends. Super. Très bien. Relâchez bien la tête, on a tendance un peu à se crisper, mais il faut vraiment pas, hein. Juste le bras qui travaille. Allez. Je vous ai dit que j'ai fait preuve d'imagination. Allez. Très bien. 5 secondes. On relâche pas. Ok. Alors on vient utiliser nos chaises. On va faire des triceps dips, je pense que ça tout le monde connaît. Soit avec les jambes tendues pour ceux qui sont à l'aise, soit avec les jambes fléchies, c'est comme vous voyez. On inspire et on souffle. Donc là je suis jambes tendues, plus de poids, pour que ce soit plus simple, ici, jambes fléchies. Contractez bien à chaque fois les triceps, c'est super important. Et on fixe les omoplates derrière. Il faut pas que les épaules partent vers l'avant. On tire derrière. Très bien. Allez, mettez de l'intention dans ce que vous faites. Super. Ok. Allez, on va prendre notre serviette. Vraiment, les extrémités de la serviette. On va mettre le pied comme ceci. Et on ramène. Les deux cette fois. C'est ça. Très bien. Et on pousse le pied là-bas. Super. Très bien. Ok. Super. Ok. Alors maintenant, on se remet en position de planche. En fait, on va venir ici et tendre.
Donc comme vous voulez, soit là ou soit à genoux, en fonction de votre niveau. Et je tends. Très bien. Gardez le gainage. Super. Voilà. Soit je l'ai fait vraiment jambes tendues ici, ou soit je me mets à genoux là et je pousse. Pensez vraiment, contraction triceps à la fin. Et je contracte. Et je contracte. Très bien. On inspire. Et je souffle. Ok, on récupère. 10 secondes. La transition qu'on va faire, là, elle va vraiment piquer parce qu'on enchaîne deux fois sur les triceps, on reprend à zéro. Allez, pompe en diamant. On est parti. On inspire et on souffle. On tend. Donc comme je vous ai dit, soit ici, soit à genoux, poussez le bassin devant et là. Et ça, si c'est encore trop compliqué, avancez les genoux et tirez un peu le cul vers le haut. On inspire et on souffle. Très bien. Ok, on se place sur le côté. On attrape notre jambe ici. Ok. Et on ramène. Toujours la tension avec le biceps. Super. Allez-y. Poussez votre jambe et retenez, retenez, retenez. Et on ramène. C'est bien. Oh, les bras ils fument. Allez, allez. Comme quoi, pas besoin de matos des fois pour bien solliciter ses bras. Même pas que les bras, tout le corps. Allez, allez, 2 secondes. Ok. Allez, je me tourne pour être face à vous. La jambe ici est tendue. J'attrape mon genou derrière. Et on est parti. Et je tends. Allez. Très bien. Super. Ok. Très bien. J'inspire, j'inspire. Et je retiens en excentrique. Et je souffle. Très bien. Allez. Mettez de la résistance toujours dans le bras. Ça doit brûler au niveau du biceps. Je vous assure que moi, ça brûle à fond. Allez, courage, courage. Très bien. Bientôt fini. Ok. Super. Allez, on repart sur nos triceps dips avec la chaise. Super, on inspire et on souffle. Bien les épaules en arrière. Et on contracte les triceps. Super. Très bien. Parfait. Allez. 15 secondes. Oh, ça pique. Hein. Allez. Très bien. Top. Ok. Ouh. Allez, on reprend notre serviette. Ok, on se met sur le dos. Et on ramène. Tournez là ici pour vraiment ouvrir au niveau des poignets ici. Je veux pas que vous la preniez comme ça et que vous tirez, je veux pas mettre en action les avant-bras. Vraiment que les biceps. Et je pousse. Super. Allez. Super. Allez, on essaie de fixer un peu les épaules derrière pour pas avoir trop les épaules qui avancent. Très bien. Allez. Super. Allez, 5 secondes. Non, pardon, 1. On a fini. Allez. 10 secondes de récupération et c'est le dernier exercice. Allez, on va venir ici.
et pousser. Allez, c'est parti. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. Très bien. Ok, je remets un peu les mains en avant. Est-ce qu'il est un peu trop au-dessus de mes épaules? Et je tends. Et je tends. Très bien. Super. Allez, 15 secondes. Allez, serrez les fesses, on ne relâche pas le dos. Si c'est compliqué, on se met sur les genoux. Mais on finit la série. Ok. Fini les amis. Oh, j'ai une congestion dans les bras là. Je sais pas si ça se voit. Mais franchement... Comme quoi, les amis, pas besoin de matos pour solliciter nos petits bras. Ouh, je suis soufflé, putain, n'empêche. L'intention qu'il faut mettre justement sur ces entraînements où on n'a pas de matériel, ce n'est que 10 minutes. Essayez d'être vraiment intensif sur ce que vous faites, c'est vraiment super important. Voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Vous pouvez également vous abonner et activer la petite cloche pour ne louper aucun de mes entraînements. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin d'année. Et on se retrouve en 2021, plus fort que jamais. Ciao les amis, prenez soin de vous.